Michel Godet donne son avis. Alors, écoutez, là, il faut être très simple. On ne va pas se battre sur l'ampleur des chiffres. Ce qui est clair, c'est que s'il n'y avait pas eu une des mesures prises dès Jospin et poursuivies par Raffarin, ou qui ont fait des transferts de la branche vieillesse sur la branche famille ne serait pas déficitaire. Moi, j'ai des chiffres plus faibles, mais elle serait excédentaire d'un milliard. Attends, je finis là-dessus. Elle serait excédentaire. On peut discuter du nombre de milliards. Et c'est parce qu'elle est déficitaire qu'on dit, ah ben, faut prendre des mesures. Et à ce moment-là, on touche aux allocs. Et je voudrais rappeler à notre ami que heureusement qu'il y a des allocs et des enfants, parce que s'il n'y a pas d'enfants aujourd'hui, il n'y aura pas de retraite demain. Et donc, faut bien. On fera comme les Allemands, mais on apportera des diplômés. Alors, tout le monde va apporter des actifs. Ça sera l'objet de notre troisième reportage, si on peut éviter de s'engueuler tout de suite. Il a toujours été très malthusien, c'est pas le débat aujourd'hui.